Oui, entrez. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, votre épreuve commence tout de suite, mademoiselle. Je vais vous poser la première question. Quel est votre nom? Je m'appelle Megha Maharaj. Enchantée, mademoiselle Megha. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos projets d'avenir? J'aimerais ouvrir une pâtisserie en Chandigarh pour vendre des gâteaux et des cheesecakes, comme j'aime beaucoup la cuisine. Et aussi ouvrir un salon pour chiens. Ah, ça a l'air génial! Et alors, pourquoi vous avez choisi d'apprendre le français? Pour moi, le français est une langue très agréable à écouter. D'une part, j'aime bien apprendre de nouvelles langues et d'autre part, je voudrais lancer ma carrière en enseignement. Ok, donc votre première partie est finie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous présenter ces quatre sujets. Vous devez choisir deux, puis un seul pour qu'on puisse faire son dialogue. D'accord? D'accord. Je prends le sujet 1. D'accord, mademoiselle. Alors, je vais vous rappeler le sujet. Vous avez rejoint un cours de natation dans une salle de sport près de chez vous. Vous voulez y aller avec votre meilleure amie. Essayez de la convaincre de vous accompagner en s'inscrivant elle-même au cours. D'accord, je commence? Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Mariam. Ça va? Oui, merci. Et toi? Très bien, merci. Dis-moi, tu es libre pendant le week-end? Oui, oui, je suis libre. Pourquoi? En fait, je viens de rejoindre un cours de natation pour le week-end et j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Natation? Mais non, impossible. Je risque de me noyer depuis la première journée. Je ne sais même pas flotter. Ne t'inquiète pas, nous aurons des maîtres nageurs pour nous aider. J'ai appris même qu'en bout de 5 semaines, vous pouvez apprendre toutes les techniques de natation. Bon, si tu le dis, d'accord. Et selon toi, combien ça coûte? 15 euros par séance. Ok alors, ça marche. À ce samedi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Votre deuxième partie est finie. Nous allons maintenant passer à la troisième partie, celle que vous avez préparée avant de venir ici. Donc, mademoiselle, est-ce que vous êtes prête? Si oui, commencez. Je commence? Oui. L'école demande-t-elle troupe en parole? Ce document est intitulé « L'école demande-t-elle troupe en parole ?» Cet article est extrait d'un magazine appelé « La Croix ». Il évoque également le sujet de l'éducation et du rôle des parents dans le succès de leurs enfants. À mon avis, les parents sont la première école pour les enfants. En effet, ils les encouragent, supportent et veillent à leur bonheur. Mais leur mission est incomplète s'ils sont seuls. Certes, les enseignants jouent aussi un rôle considérable dans le tressage d'avenir des nouvelles générations. Pour le futur, les parents ainsi que les instituteurs doivent collaborer au comme le mentionnait le auteur éduqué des jeunes. Surtout que l'enfant à cet âge-là est beaucoup influencé par les adultes de son entourage. Par exemple, quand j'ai été jeune maman, faisait semblant de travailler sur mon bureau pour que je la copie. En définitive, il est important pour les enfants de demander mais fort à leurs parents et professeurs pour réussir dans la vie scolaire. Mais les parents doivent chercher les bonnes méthodes qui sont bien à la fois à l'aide et laissent l'enfant autonome. Thank you for watching our video. Like, share and great to share with your friends. Contact C-Cube to learn French in Chandigarh. Online classes also available via Skype. Call us at 0172-400-1018.